Ils ont planté le camion en haut. Non mais excusez-moi, ils ont planté le camion en haut. Regardez, le camion en haut, ils l'ont planté dans le bordel. Regardez-moi ça. Par contre, on va se faire arroser là. Comment ils ont fait ça? Ah ouais, il y a une grille en dessous qui a lâché. Ouais, c'est en dessous. En dessous, ça a pété. Là, ils sont vexés. Ils sont vexés. Je sais pas si vous voyez en dessous. Il y a une grille qui a pété et le pneu, il est tombé dedans en fait. Ils ont voulu rouler sur le bordel et ça a lâché. Oh non, c'était énorme. Ils sont obligés de vider le camion. Eh ben heureusement que le gouvernement se soucie de l'écologie, hein. Mais regardez-moi ces litres de flotte qui sont perdus quoi. Oh là là. Je peux croire, ouais. Bah ouais, c'est débile. Ils ont fait un truc, ils sont tombés dans une. Ouais, il doit y avoir une plaque ou un truc comme ça. Boum, oh, terminé. La plaque, elle a lâché. Fais moi quoi pour sortir le camion. Ouais. Vous avez besoin d'un coup de main ou ça va? C'est trop bien. On est nombreux, on peut vous aider du coup. Génial. Ça le fait pas rien. Photo casseur. Ils sont fixés. C'est encore d'un photo casseur ça. Il se passe quoi? Eh, il sourit pour la photo. Il est en train de sourire pour la photo. Elle a pété. Putain, je voyais mieux tout à l'heure. La plaque, elle a pété en fait. Et la roue, elle est tombée dedans. Ah, il y a des lacrymos. Hey. C'est bien, ils gazent leurs potes. Hey, bon.
encore dire que c'est la faute des gilets jaunes, tout ça. Hein. Ah bah là, oui, ils sont embourbés. Ils sont embourbés. Je sais pas comment ils vont faire pour sortir. Pourquoi? Oui, mais pourquoi? On était partis dans la rue de Cortez. Bah oui, mais on vous a pas vu partir, nous. Ah, ça, c'était énorme, quand même. Coucou. Ouais, ils sont trop forts. Oui, on va aller rejoindre le cortège. Mais arrête, c'est trop drôle, ça. Ah oui, je sais, mais là, les filles, j'aimerais bien les rejoindre. J'ai glissé, chef. Ah, c'est pas de ma faute, chef. J'avais pas vu le trou. Ouais. Je fais comme les CRS, j'examine. Ouais, vous avez merdé, les gars, alors. Ouais, il devait être bourré, hein. Ah, punaise, quoi. Je m'approcherai bien, mais je suis pas sûr que ça va plaire. Ah. Ah. Mais non, mais regardez en plus ce qu'ils m'ont fait. Ah, j'ai pris un impact de gli aujourd'hui, je suis blasé. Bleh. Ça va, coucou. Attends, avant qu'on soit séparés des autres. Ouais, t'inquiète. Et les filles là, elles sont où? Ouais, les autres, ils sont restés de l'autre côté du carreau. Non, mais les filles là, putain, je viens de les appeler, de leur dire de venir. Mais en fait, vous savez qu'on est les seuls gilets jaunes du côté. T'as tous les gilets jaunes qui sont de l'autre côté là-bas. Tous les gilets jaunes sont là-bas de l'autre côté. Ou là-bas de l'autre côté. Et nous on se retrouve au milieu. Normal. On est là. Eh oui. T'inquiète, t'inquiète, je prends pas de risque. En plus, bon, c'est pas comme si je prenais pas. Je prenais pas un truc dans la tronche toutes les semaines en ce moment, donc on est plus à ça près. Hein. Mais oui, c'est ce que je disais, ils vont encore dire que c'est de la faute des gilets jaunes, tiens. Ils vont dire qu'on a fait un piège, je suis sûre. Ils aiment pas qu'on filme leurs conneries. Hein. Non, bah non, ils sont vexés là. Ah mais c'est trop tard. Ah, 2000 vues, les gars. Faites le sur YouTube, ça. C'est trop tard, tout le monde l'a vu, hein, maintenant. Sympa, le matériel qu'on voulait. Alors, le canon en haut, il a reculé sur une plaque... Sur une plaque d'égout, visiblement. Une grosse plaque, et la plaque a lâché, en fait, avec le poids de l'eau. Ils étaient en train de le remplir. Du coup, le pneu, il est tombé dans la bouche d'égout, ou l'espèce de gris, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, le camion il est en mode PLS, là il fait la gueule. Bah il va plus beaucoup servir hein, le petit. Hein. Ah bah oui, c'est le poids de l'eau, ouais, mais ils ont trop merdé quoi. En plus ils l'ont vidé là donc. En France, oh bah on était déjà bien plus que 10 000 à Toulouse. Alors, ah, il va falloir qu'on dégage, ils ont dit. Mais comment ça se fait qu'ils dégagent d'un côté, de l'autre et pas nous? Ouais, Bubu, avec tes mécanos, tu peux peut-être réparer le bousnif? Attends, il est partout caché. J'ai de la chance de pouvoir encore filmer parce qu'ils ont viré tout le monde. Mais c'est énorme quoi. Bah oui, tu m'étonnes que toutes les chaînes en parlent.
ressemble à Castaner, celui-là. Qui ça? Son casque. Hein? Son casque, il ressemble à Castaner. Ouais, c'est vrai, il y a un petit air. Hein. Bah ouais, ils aiment pas ça, tu m'étonnes. Ouais. Bah je pense qu'on va bientôt se faire dégager à coups de pied dans le fion là. Parce qu'ils sont pas fins. Ils ne sont point aimables et là l'humiliation ils vont pas aimer je pense. On va vous chercher du bon pour pousser non ? Ça ? Ah ouais. Tu t'es fait matraquer ? Eh, putain merde. Ah ouais, visiblement il a pris un coup sur la tronche. Ouais, tu l'as bien. Ah la crimo, il tire vachement, tire tendu en plus. Ouais, elle a des panneaux, c'est quoi ? Ah ouais, il a pris sur le crâne, c'est du crâne. Ouais, ben. C'est passé la dépanneuse ! Il compte tirer le bordel avec ça ? Hein ? Non, le petit coup de sensor, le gros sac, là. Franchement, s'ils arrivent à le sortir avec ça, c'est chaud. C'est fait pour ? Ça, ça peut tirer ça ? Putain, énorme ! Allez, dégagez, messieurs, dames ! Venez repasser de l'autre côté ! Ah, vous avez vu quoi ? Ça marche. Ils ont dit, faut qu'on dégage. Donc je viens là. Ouais, bah on reste là. On dégagera que sous la matraque. Ouais, là ! Passez de l'autre côté, sur le pneu, là ! Je vous repousse. Par là, je peux aller. Allez, ouais. Tu les tiens à l'angle. Yes. Yes. Là, ça va ou faut que je me... Oh, mais c'était bien le muret, ça me... Je suis fatiguée. Comme ça, je fais une ligne. Là, les gens, ils doivent être... Le chauffeur du camion va pointer à Pôle emploi lundi. Tu m'étonnes qu'il bouge pas, il reste dedans. Le retour de la 7ème compagnie. Ah bah non, je peux plus filmer. Eh, j'ai glissé, chef. Putain, par contre, je trouve ça énorme, ça. Que vous puissiez tirer le camion avec les chars blindés. J'espère qu'ils vont se trouer, quoi. Non, dans l'autre sens. T'es en train de tirer ton pote là! Le sketch! Ah oui, c'est vrai, il y a Eric Drouet comme chauffeur poids lourd la prochaine fois si vous voulez! Ah, j'adore! Putain, j'espère qu'ils vont se trouer. Ça serait tellement risible. Ouais, mais là, normalement, si je cours... Si on fait la distance, normalement, ça devrait aller. Ah, mais ça doit être hyper lourd à sortir. Ah ouais, en fait, la roue, elle est pas pliée, c'est qu'elle est tombée dans un trou. Ah ouais, c'est trop... Oui, il est tombé... Non, mais il y avait une grille sur le trou. Regarde, on la voit, là. Bah, en tout cas, vous pouvez dire que Toulouse, ils sont sur toutes les chaînes de télé actuellement. C'est beau à savoir. C'est la célébrité. Vous faites le buzz, les gars. Faites parler de Toulouse. Sur BFM et tout. Sinon, on dit quoi ? Pain au chocolat, les chocolatines, ça n'existe pas. La beauté, on a gagné. T'inquiète, on va y retourner, mais ça, c'est trop drôle. Ils ont chopé une gonzesse. Elle est
La queue, par contre, il s'arrête jamais. Hein. Non, hein. Putain, vous pouvez pas dire aux collègues de faire. Richard, voir des gens. Attends. C'est une blague. Mais il se passe quoi là de tous les côtés? Humiliés, ça, ils ont le seum. Ah ouais, mais du coup, on est encore plus loin que tout à l'heure maintenant. Là-bas. Ah bah, allez, ça fait loin. C'est hein. L'autre côté, là-bas. Eh, le câble, il est pas aussi long que ça, allez, techniquement. Hein. Non, mais ça fait, allez, là-bas. Ça fait des petits morceaux et ça sent. Non, mais ils auraient été. Bah ouais, mais là, c'est pas drôle. Je peux plus rien filmer. Allez, c'est bien de reculer de l'autre côté. Ah merde, je voulais monter sur le mur. Allez, reculer. Daniel, fais reculer encore. Vas-y, Dani. Allez. Oh, voilà. Dani, on débauche. Daniel, ah, cool que vous soyez sortis de garde à vue. Daniel, on débauche. Franchement, c'est cool, ça. Moi je descends pas du muret, je fais 1m30 les bras levés sur un tabouret, je ne vois rien. Qu'est-ce que ça? Ouais, t'inquiète, je me barre pas moi, t'es ouf. Ouais, grave. Non, mais ils ont vidé le camion avant. Hein. Ça se voit, il y a de la flotte partout. D'ailleurs, je pensais qu'il y avait plus de contenance que ça dans le camion. Ils avaient peut-être pas fini de le charger. Oh, tu m'étonnes en même temps. T'as vu la situation, quoi? Mais c'est ça, ouais. Ah. T'as reconnu ma douce voix?
Ouais, ouais, c'est ça. La récré est finie. On va reprendre en mode matraquage et on s'en prend plein la tronche. Bah ouais, ils ont vidé l'eau par terre en plus, t'as vu, c'est moche. C'est ça. Mais non, trop bon ça. Tu l'as envoyé en Thaïlande, mais j'adore. Ouais. Le mec il me tapote sur l'épaule et puis il m'a rien dit, j'ai pas compris. Bah je sais pas s'il est en panne mais. Oh, un bouclier! Un bouclier! Il y a un bouclier, une matraque abandonnée! Eh j'y rêve! Il y a un bouclier, une matraque abandonnée. C'est tentant! On peut avancer maintenant, c'est bon? Eh regarde, ils vont re-remplir le canon! Oh! Ils re-remplissent le camion quand même! C'est bon ça en Chine. On est dans le sud, on n'est pas dans le sud ici là. Alors, bonne de mer, tu mets la Ricard à la gueule. Bon allez, je vais arrêter le live là je crois parce que maintenant c'est bon, le temps qu'il remplisse le camion. Je vais reprendre un nouveau live. Voilà, déroule. Pour ce qui va se passer sur la suite de Toulouse. Bisous les petits loulous. A plus tard, ciao ciao ciao.